Salut mon Saiyajin. Aujourd'hui, je te propose un circuit training spécial débutant. Pour ceux qui souhaitent se mettre en forme, ce circuit, il est idéal pour vous. Vous allez travailler l'ensemble des muscles de votre corps. Il y aura des pompes version débutant, du gainage, beaucoup d'exercices pour solliciter vos muscles profonds. Les muscles qui sont endormis. Quand vous avez arrêté de faire du sport, vous êtes fatigué, vous avez mal au dos, et bien ce circuit, il est très bon pour se mettre en pleine forme. Il est composé de 4 exercices. Je vais vous expliquer les exercices un par un pour éviter les erreurs et bien profiter de ce circuit training. C'est parti, let's go! Le premier exercice, tu fais des burpees. Simplifié de cette façon. Tu as les pieds largeur du bassin et en fait, tu pousses tes fesses en arrière, tu poses tes mains sur le sol, tu te retrouves en position planche pour remonter le dos droit. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième que tu vas effectuer, il va être très, très bien pour réveiller tes muscles toniques, les muscles profonds. Comment ça se passe? Je te montre. Tu es en position planche. Ce que tu vas effectuer, regarde bien, tu tends une jambe, quelques secondes, puis l'autre. Tu peux fléchir un peu tes genoux, voilà, en mouvement de transition. Et ensuite, tu vas tendre le bras gauche, puis le bras droit. Inutile d'aller trop vite, d'accord? On est là pour travailler justement ces muscles profonds. Plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas travailler tes muscles profonds et c'est ce qu'on cherche à faire. Le troisième exercice, tu vas mettre tes pieds sur le tapis, les mains sur le sol et tu vas faire des déplacements latéraux. Comment ça va se passer? Regarde, je serre mes pieds, je serre mes mains, j'écarte. Je serre mes pieds, je serre mes mains, j'écarte. Ok, je serre mes pieds et j'écarte. Toujours dans le but de travailler tes muscles profonds. Et en plus, comme tu es en position planche, la planche te permet de travailler le transverse et le transverse te permet d'avoir le ventre bien plat. Et enfin, tu finis avec le dernier exercice, des rotations de bassin pour travailler la taille. Et toujours ton transverse, ici, et tu reviens, d'accord? Sur le côté et tu reviens. Il y a 40 secondes de travail par exercice pour 20 secondes de récupération, 4 tours en tout, c'est parti. Et n'oublie pas, tu fais 4 tours en tout, on fait le premier tour ensemble, on part dans 10 secondes. Je mets le chrono, premier exercice, des burpees, fais-le bien, prends ton temps. Sans saut, sans impact. On commence par la position squat. Squat, pose tes mains et tu te retrouves en position de burpee. Tu remontes ici. Si tu t'en sens capable, tu peux aussi faire des pompes sur les genoux. D'accord? C'est une option. Hop, hop, allez. Inspire bien, souffle bien. Voilà, tu n'es pas obligé, mais le fait de poser tes genoux au sol, voilà, te permet de faire des pompes de façon simple et efficace. Le but quand même d'un burpee, c'est de dépenser un maximum d'énergie. Allez, si tu es trop fatigué, hop, tu repars directement en position debout. Ok, 20 secondes de récupération. Le deuxième exercice, rappelle-toi, tu vas tonifier tes muscles profonds. Donc, tu te mets en position planche, les bras tendus, les coudes légèrement déverrouillés. On commence par lever la jambe droite quelques secondes. Tu suis mon rythme. Ok, on le fait ensemble. Allez, tends, serre les abdos et pose. L'autre jambe, tends, voilà, pose. Le bras gauche, attention, reste en équilibre. Maintiens, 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 maintiens. Si c'est trop dur, va chercher plutôt devant, là. Devant, 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 devant. Et tu repas, tu reposes. Allez, la jambe droite. Tends, serre les abdos et descends. L'autre, serre les abdos au max. Tu vois, c'est très bien pour vraiment renforcer tous les muscles en profondeur. Tu ressens tous les muscles profonds sur les épaules qui travaillent. Ok, ça tremble. C'est normal. Ok, 20 secondes de récupération. On continue le renforcement sur les muscles profonds. Tu poses tes pieds sur les tapis. On fait des déplacements latéraux. On commence avec les bras écartés et les jambes écartées pour ensuite les resserrer et les réécarter de l'autre côté. D'accord ? Donc, on est là. Allez, on va venir tout serrer. On serre, hop, et on éloigne. Voilà. On reprend de l'autre côté, on resserre,
Serre, aligne, talons, hanches, épaules. Voilà, aligne ton corps. N'aie pas les fesses levées. Et hop, toujours aligné, encore. On travaille tout là, les épaules, les abdos. Tous les muscles du corps sont engagés. Allez, souffle, inspire. Voilà, si c'est trop dur, pose les genoux quelques secondes au sol. Quelques secondes seulement et tu reprends. Bim. Et ici, voilà, trop dur, pose les genoux. Une, deux, reprends. Hop, hop, voilà. Souffle, inspire, on reprend. Hep, hep, très bien. 20 secondes de récupération et tu termines avec le dernier exercice pour ce tour. On reste motivé, on fait des rotations de bassin dans 10 secondes. Mets-toi en position, bras tendus. Ok, je te rappelle qu'on cherche sur le côté pour travailler la taille du côté qui se trouve proche du sol. Et là, voilà, tu maintiens et tu repars de l'autre côté. Et là, de l'autre côté et on revient. Ok, encore. Souffle, souffle bien par la bouche et reviens. Souffle par la bouche, voilà. Allez, hop, maintiens la position. Encore, continue, continue, je te montre d'un autre angle pour que tu puisses bien voir. Et là, ok. Allez, il reste encore 7 secondes. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. 4, 3, 2, 1. Très bien. Juste, tu vas t'accorder 30 secondes de pause. Tu réenchaînes ce circuit, encore 3 tours supplémentaires. Et là, je peux te promettre que tu vas ressentir tous les muscles profonds se tonifier. Ça va te faire du bien et tu vas bien démarrer ta journée. On part dans 10 secondes. Je mets le chrono. Premier exercice, des burpees. Fais-le bien, prends ton temps. Sans souffle, sans impact. On commence par la position squat. Squat, pose tes mains et tu te retrouves en position de burpee. Tu remontes ici. Si tu t'en sens capable, tu peux aussi faire des pompes sur les genoux. D'accord ? C'est une option. Hop, hop, allez. Inspire bien, souffle bien. Voilà, t'es pas obligé, mais le fait de poser tes genoux au sol, voilà, te permettre de faire des pompes de façon simple et efficace. Le but quand même d'un burpee, c'est de dépenser un maximum d'énergie. Allez, si tu es trop fatigué, hop, tu repars directement en position debout. Ok, 20 secondes de récupération. Le deuxième exercice, rappelle-toi, tu vas tonifier tes muscles profonds. Donc, tu te mets en position planche, les bras tendus, les coudes légèrement déverrouillés. On commence par lever la jambe droite quelques secondes. Tu suis mon rythme, ok, on le fait ensemble. Allez, tends, serre les abdos et pose. L'autre jambe, tends, voilà, pose. Le bras gauche, attention, reste en équilibre. Maintiens, 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 maintiens. Si c'est trop dur, va chercher plutôt devant, là. Devant, 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 devant. Et tu repars. Tu reposes. Allez, la jambe droite. Tends, serre les abdos et descends. L'autre, serre les abdos au max. Tu vois, c'est très bien pour vraiment renforcer tous les muscles en profondeur. Tu ressens tous les muscles profonds sur les épaules qui travaillent. Ok, ça tremble. C'est normal. Ok, 20 secondes de récupération. On continue le renforcement sur les muscles profonds. Tu poses tes pieds sur les tapis. On fait des déplacements latéraux. On commence avec les bras écartés et les jambes écartées pour ensuite les resserrer et les réécarter de l'autre côté. D'accord ? Donc, on est là. Allez, on va venir tout serrer. On serre, hop, et on éloigne. Voilà. On reprend de l'autre côté, on resserre. Serre, aligne, talons, hanches, épaules. Voilà, aligne ton corps. N'aie pas les fesses levées. Et hop, toujours aligné, encore. On travaille tout là, les épaules, les abdos. Tous les muscles du corps sont engagés. Allez, souffle, inspire. Voilà, si c'est trop dur, pose les genoux quelques secondes au sol. Quelques secondes seulement et tu reprends. Bim. Et ici, voilà, trop dur, pose les genoux. Une, deux, reprends. Hop, hop, voilà. Souffle, inspire, on reprend. Hep. Hep, très bien. 20 secondes de récupération et tu termines avec le dernier exercice pour ce tour. On reste motivé, on fait des rotations de bassin dans 10 secondes. Mets-toi en position, bras tendus. Ok, je te rappelle qu'on cherche sur le côté pour travailler la taille du côté qui se trouve proche du sol.
et là. Voilà, tu maintiens et tu repars de l'autre côté. Et là, de l'autre côté et on revient. Ok, encore. Souffle, souffle bien par la bouche et reviens. Souffle par la bouche, voilà. Allez, hop, maintiens la position, encore, continue, continue, je te montre d'un autre angle pour que tu puisses bien voir. Et là, ok. Allez, reste encore 7 secondes. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. 4, 3, 2, 1, très bien. Juste, tu vas t'accorder 30 secondes de pause. Tu vas ressentir tous les muscles profonds se tonifier. Ça va te faire du bien et tu vas bien démarrer ta journée. Tu as juste besoin d'un tapis de fitness et un petit peu de motivation. Mais la motivation, là, on fait l'entraînement ensemble. Donc, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas te motiver. D'accord ? Si tu veux être en pleine forme, il ne suffit pas de faire qu'une seule séance, mais un entraînement régulier. Il faut que tes habitudes sportives et alimentaires soient ancrées. Et pour ça, je peux t'aider, je peux te coacher, te proposer un programme sportif et alimentaire adapté selon tes besoins, ton emploi du temps, tes envies pour que tu puisses vraiment progresser et pas juste faire une séance et arrêter. D'accord ? L'objectif, c'est que tu te sentes bien toute ta vie. Donc, tu peux me faire confiance. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Peace and soy.